Yo, c'est le capitaine, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, on se retrouve dans Minecraft pour survivre entouré de lave. Tu vas kiffer, franchement, fais-moi plaisir. Si la vidéo te plaît, je t'invite à t'abonner et activer la cloche, c'est très important. Et bien sûr, reste jusqu'à la fin. C'est parti. Allez, on est parti pour une nouvelle aventure entouré de lave. Alors, je t'explique le principe. Ça, c'est un bloc infini. Tu connais, je casse et ça me donne des blocs à l'infini, ok? Donc, c'est la base de la survie. Ça variera les blocs de temps en temps. C'est cool. Bon, on a aussi un seau. Pourquoi? Pour pouvoir placer de l'eau comme ça, en fait, tu vois. Et avoir accès, en fait, à toutes les îles qui sont là. Voilà, c'est beaucoup plus simple comme ça. Plutôt que de fabriquer des ponts, c'est mieux de commencer avec de l'eau. Donc, c'est une aventure survie. On va prendre un peu de terre ici, puis on va choisir une île où commencer notre aventure. Déjà, j'ai envie de savoir si le bloc change. Ça, c'est important. Pas certain que ça change. Du coup, ça me donne terre infinie, en fait. Et là, il doit y avoir ici, là, juste là, il doit y avoir pierre infinie. Ok, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Bon, ouais, ça a pas l'air de changer. Du coup, on va descendre, vu qu'on a de l'eau. Alors, regarde, la stratégie, tu fais ça, tu descends, tu prends ta source, reprends ta source et tu descends avec l'eau. T'as vu? Hop là. Bon, c'est parfait. Je mets en sécurité ici. Et maintenant, on va choisir une île de départ. On va aller voir déjà cette île-là, ça a l'air sympa. Donc, c'est une survie. On va devoir survivre entouré de lave. Les ressources sont limitées, c'est ça l'intérêt. Il y a beaucoup d'îles. Il y a énormément d'îles. Je sais pas si t'as remarqué, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'îles. On va essayer d'explorer un petit peu ça, bien évidemment, et de survivre. Ça va être très sympathique. Évidemment, il y a des mobs. Alors, première île. De l'or, des blocs de miel, du cuivre, des œufs et des enderpearls. Très marrant comme loot. Première fois que j'ai des trucs comme ça. Parce que les blocs de miel en soi, bah, ça ne sert pas à grand chose. C'est juste collant. On a eu un poulet, on a de la chance. J'espère qu'il ne mourra pas. On a un arbre, ça c'est intéressant par contre. Le reste des trucs n'a vraiment aucun intérêt. C'est ça qui m'en. À part à la limite, les enderpearls, on gagne du temps à se téléporter là-bas. Mais franchement, on peut casser ça. Première fois que je vois un coffre avec des loots aussi étranges. Bon, on va ranger quand même le cuivre parce qu'aucun intérêt, ça pareil. Ça c'est pareil. Quant au reste, ouais, à part les underpearls, éventuellement si on tombe dans la lave et qu'on veut sortir sans mourir, ouais, mais le reste, je ne vois absolument aucun intérêt. On va casser cet arbre là. Ça nous fera notre premier bois, hein, là tout simplement. Parfait. On va transformer ça. Hop, parfait. On met l'inventaire comme ça. Petite table de craft. Bon, les premiers soutiens en bois, c'est parti. Il nous faut, hop, l'inventaire comme ça, c'est toujours sympa. Alors, les premiers outils basiques, pioche, hache, parfait. Mais également, sans hésiter, une épée. Bon, la pelle, ça attendra un petit peu qu'on ait une meilleure qualité. Voilà, là, c'est très bien. Bon, le reste de l'arbre, on ne l'a pas cassé. On va s'en occuper vite. Hop, on va grimper un peu. Et casser, je pense pas que ça dispawn, vu que c'est un arbre customisé. Ça ne risque pas de dispawn les feuilles. Ouais, ça risque pas de dispawn. Je vais essayer d'avoir une pousse pour replanter l'arbre quand même. Ok, j'ai une pousse. Bon, c'est quoi casser l'arbre? Finalement, c'était facile, hein. Ça n'a pas été si compliqué que ça. Les fèves de caca. On va les garder avec nous parce que ça servira à faire des cookies au chocolat. Oui, parce que le cacao c'est du chocolat. Oh, tu l'avais oublié, je te le rappelle. Ah, on peut pas planter ici. Bah oui, on peut pas planter ici, il faut de la terre. Mais on a de la terre, on a de la terre. Grâce à la terre illimitée. On a récupéré tout à l'heure. Hop, et voilà, il y aura un arbre très bientôt ici. Bon, bon, allez, c'est parti, on continue d'explorer. J'hésite, quelle île, sur quelle île nous allons? Le poulet est parti se promener, hein. J'espère qu'il mourra pas. Bon, on va aller voir un peu les îles là parce que tu vois, j'aime beaucoup les îles comme ça. Ça a l'air sympa, donc on va y aller. On va ranger des trucs, on a déjà planté l'arbre. L'arbre a poussé, tiens. On va le laisser, c'est pour le style. Hein. Hop, on va ranger. Bon, je range ce qui n'est pas urgent dans ce coffre-là. Le reste des trucs, bon, ça peut-être on s'en servira, mais le reste, pour l'instant, on n'en a pas besoin. On va surtout, en priorité, aller chercher des mobs, de la bouffe, etc. Ce dont on a besoin. Voilà. Pour la survie. Il faut que je choisisse une île sur laquelle s'installer. D'ailleurs, je sais pas où est-ce qu'on s'installe d'abord, les potes. On va voir. Peut-être ici, j'aime bien. On va un petit peu explorer. Bon, flemme de s'installer sur les trucs, genre comme ça, en montagne et tout, c'est galère. Là, ça va. Il y a une montagne. Il y a une colline, mais il y a l'air d'avoir de la place aussi, tu vois. Ah, j'ai pas repris mon eau. Voilà, donc nouvelle aventure survie au milieu de la lave, hein, c'est toujours sympathique. Voilà, parfait. Bon, comment ça se présente? Petit bloc ici. Alors, salut la vache. Ah, j'allais dire, ne meurs pas dans le feu, s'il te plaît. Alors, ici, c'est sympa. Il y a quoi avoir une source d'eau infinie, ça c'est cool. Eh, c'est pas mal de s'installer ici, t'en penses quoi? En vrai, il y a du bois. Là-bas, il y a du fer juste à côté. En vrai, ça s'annonce vraiment cool, hein. Moi, je propose qu'on mette la base ici. Moi, je pense que ça me paraît une bonne île. Pour une fois que c'est une île, la dernière fois, je disais île alors que c'était des blocs géants. Là, c'est une île. Ah, canapé, je t'en mets. C'est toujours bizarre. Le coffre de scie, d'accord. C'est pour avoir de la chance. Ok, canne à pêche, mais pour pêcher. Ah oui, dans le petit étang, d'accord. Bon, bah c'est pas mal. On va s'installer là. On va s'installer. Alors, par en haut de la colline. Hein. Je regarde comment c'est fabriqué cette île. On va s'installer par là. Bon, évidemment, on va commencer par casser quelques arbres histoire d'avoir un petit peu de place. Ça me paraît pas mal. On va quand même explorer les autres îles. T'inquiète pas. Là, on s'installe tranquillement. Les outils en pierre, le petit coffre, la mini base. De quoi survivre, les steaks au four. Et puis après, on part. On continue d'explorer. On continue d'explorer tout ça. On part en exploration. Voilà ce que je voulais dire.
Alors, casser tout ça tranquillement. Bon, en tout cas, c'est une nouvelle aventure sympathique qui s'annonce. Ça, c'est cool. Ça, c'est très, très cool. Bon. Déjà, ça va être cool de casser tous les arbres. On va avoir une bien meilleure vision globale de la zone. Voilà, parfait. Il reste juste cet arbre-là et ça devrait être pas mal du tout. Déjà, question. Est-ce que l'étang est une source d'eau infinie? Oui, en fait, oui, c'est bon. Alors, on va casser le reste de l'herbe comme ça. Et là, tu vois ici, mine de rien, nous avons une très belle zone pour commencer une aventure. Regarde. Parfait ici. Bon, même de quoi mettre un champ avec un peu de chance. Ou alors, le champ, on le met directement dans l'eau. Hein. Enfin, dans. Au niveau de la lave, hein, parce que regarde, on a de la terre infinie. Tu vois, on peut mettre un champ comme ça. Hein. Ça peut être une idée, regarde, un champ comme ça. Alors évidemment, il faudra enlever la lave d'abord. Ouais, mais un champ comme ça, moi, ça me paraît pas mal. Hein. Je pense qu'on va faire ça. Alors déjà, on a plein de trucs à faire. Installons-nous. Déjà, première chose, ça. Ensuite, deuxième chose, immédiatement, sans hésiter. On va en garder 8 pour les fours rapides. Voilà, le reste en bûche. Ça, sans hésiter, directement en bâton. Voilà, comme ça, pas de gaspillage. Voilà. Enfin, surtout, ça prend moins de place. Enfin, un autre coffre. Bon, là, il est temps de s'installer, tu vois. Il est temps de se mettre confortable. On va mettre. Alors, pas que ça. On va mettre nos coffres ici. On va ranger les trucs dans les coffres. Les trucs vraiment. Non, mais. Bah, yo, coffre là. Mets-toi ici. Voilà. Alors, hop, 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 hop. Voilà, les trucs comme ça. Ça reste. Le reste. Ça reste avec nous. Ça. Ouais, je t'avoue, on va les ranger. Ce serait dommage de faire une bêtise, d'utiliser l'Underpearl et bah, de tomber dans la lave. Donc, en vrai, c'est plus dangereux qu'autre chose, je trouve. Ça, on va ranger aussi. Bon, si on prenait un petit peu de pierre, qu'on creuserait pas une mini-mine ici. Voir d'ailleurs s'il y a de la pierre en dessous et si on trouve des minerais naturellement ou pas. Ça, c'est toujours intéressant à savoir. Alors, oui, je cassais avec d'une hache, mon. De toute façon, elle va casser, c'est surtout pour ça que je cassais avec. Bon, on va commencer à creuser. Oh, il y a de la cobblestone, d'accord. Ma question c'est est-ce qu'il y a. Alors là, il y a de la lave. C'est pas forcément. Ok, super. Je sais pas comment c'est arrivé là. C'était pourtant, on était haut. What? Il y a de la lave partout. Ok, bon. Là, par le bas. Non, par le bas, ça va. Hein. Lave là ou pas? Là, oui. Je pense qu'il y a moyen qu'on descende. Il y a moyen qu'on descende. Il faut faire gaffe. Mais il y a peut-être moyen qu'on aussi ça descende. Moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'en bas, il y a. Ok, il y a du vide, c'est ça? Ok, stylé, il y a du vide. Ok, bon. Donc, il n'y a pas de mine. Voilà, au moins, on le sait. Il n'y a pas de mine aujourd'hui. Donc si on veut des minerais, ce sera là par exemple. Bon, bah tu sais quoi, on va prendre de la pierre ici. Là, il y a de la lave partout. On va prendre la pierre qui est là ou pas? On y arrive. Est-ce que là il y a de la lave vraiment systématiquement partout? Non, pas partout, partout, si presque. Bon, c'est piégé aujourd'hui les mines, hein. Va falloir faire gaffe. À cette hauteur là, ça va. Bon, on a la moitié de la terre, ce qui nous intéresse pas totalement, on va dire. Mais globalement, si on creuse ici et là, bon là ça devient dangereux ça. Ça va, hein. Là ça va. Bon, outils en pierre, les petits fours. Ouais, là tu vois, ça peut vite devenir dangereux parce qu'il y a de la lave à cette hauteur là. Bon, après si on anticipe, ça va. Bon, allez. On va jeter ça, nous allons évidemment nous équiper. Bon, il nous faudrait une pioche, une hache, une pelle, une épée et une pelle. Ok. Bon, chaque chose va avoir un intérêt aujourd'hui. Déjà aujourd'hui, ce qui est très bien, c'est que nous avons, regarde, ici, grâce à ça, une poubelle naturelle. Regarde, hop, voilà, magnifique. Bon, les arbres, on en a plein déjà. On va pas replanter ici, si on en replante, c'est plus derrière. Je pense qu'on va pas replanter directement là, parfait. On va ranger les pousses en attendant. Alors, j'ai tous les outils qu'il me faut. Déjà, je voulais faire un truc vite fait, regarde, tu remarques ici, je trouve pas ça ouf en fait, il y ait deux blocs à chaque fois, tu vois, ça nous empêche de descendre, enfin de remonter surtout. Tu regardes ici, là, à chaque fois que tu vas remonter, bah c'est comme ça, bah non, en fait, non, non, on veut pas de ça, nous. Cet arbre là va disparaître, là, et on va aplanir tout ça, enfin pas aplanir, tu vois, mais lisser un petit peu de manière à ce qu'on puisse descendre ici sans problème, tu vois, là maintenant je veux descendre, alors, ok, attention à pas tomber dans la lave, maintenant je veux descendre, tu vois, c'est beaucoup plus sympa ici, ça c'est hors de question, voilà, ce qu'on veut c'est pouvoir monter directement, on va imaginer, il y a un creeper derrière nous, voilà, comme ça on peut grimper en toute sécurité, voilà, c'est ça que je voulais. Là c'est pareil pour notre accès à notre champ ici. Je veux que ce soit un accès fluide. On a juste à descendre et on accède au champ. Voilà, déjà c'est beaucoup mieux, tu vois. En plus ça nous fait plein de terre, comme ça on aura un magnifique champ. Bah en vrai on peut construire le champ maintenant, hein, quand j'y pense. Alors je sais, on n'a jamais faim dans Minecraft Windows 10, ça c'est incroyable. On n'a jamais faim dans Minecraft Bedrock. Je vais dire Bedrock, pour ceux qui savent pas c'est quoi Windows 10, c'est pareil. En fait la version Xbox, la version téléphone et la version Bedrock sur ordi, donc celle-ci, ce Minecraft là, c'est la même. Pas le Minecraft auquel je joue habituellement. En vrai je joue souvent aussi à Bedrock, hein, à cette version là. Tu peux le voir à quelques différences. C'est difficile à voir comme ça, mais tu peux le voir déjà à l'inventaire un petit peu. À la caméra n'est pas exactement pareil. Bon, c'est pas mal tout ça avec le reste du fer. Enfin, du fer, non, de la pierre. Le fer, c'est à côté. Nous allons mettre nos fours ici directement là-dedans. Voilà. En vrai, on pourrait fabriquer du charbon de bois. Hein, J'hésite. Déjà, pourquoi pas des fours rapides. On avait dit des fours rapides. Voilà. Bon, je sais, on a utilisé ce four là, c'est pas grave à côté. Maintenant, on a un four rapide. Le cheval, j'aurais pas encore de sel, mais t'inquiète pas. T'inquiète pas, cheval. Alors, on va ranger tout ça. Ça aussi. Tiens, il y a deux pouces, je sais pas pourquoi. Oh, il y a des fleurs, on verra. Paris, même d'air. On a un petit peu de pain.
pain de base. Comme je disais, je mettrais bien un champ ici. Alors faut compter 1, 2, 3, là ça va assez. 1, 2, 3, 4, là c'est parfait. Ouais, il faudrait plus un peu plus de terre quand même. Bon, en tous les cas, il va falloir plus de terre. Bon, en vrai, chercher de la terre, c'est pas compliqué. Regarde, il y a juste à passer par la mine. Tu creuses par là et ta terre infinie. Voilà, très pratique, comme tu peux le constater. Bon, il faudra penser à éclairer ici parce que c'est vrai que du coup, il pourrait y avoir des mobs si on fait pas gaffe. Il faudra penser à éclairer tranquillement par là. Bon, je prends un peu de terre rapido. Erasmo, je vois, je fais la blague. Tu finiras par avoir la ref comme ça, tu l'as pas. Hop là, bon, 48, ça devrait être bon. Bon, de toute façon, aujourd'hui, on minera pas. Il n'y a pas de mine. Voilà, c'est pas compliqué. Tu as une réponse simple, on peut pas miner. Alors, là, c'est bon. 1, 2, 3, 4. Donc, jusqu'ici. Alors, on met toujours plus hein, que nécessaire. Par contre, oui, ça, c'est important. Je veux de l'eau. Ouais. Ouais, non, parce qu'on va pas laisser ça en mode dangereux comme ça. Hein. On veut, nous, c'est un truc sécurisé. Voilà. Redonne-moi mon eau. Bon, c'est bien, on a eau infinie. Ça, c'est cool aussi. Comme ça, si on perd notre eau, c'est pas grave. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Et comme je t'ai dit, on va rajouter un cran de plus par sécurité. Alors, on va rajouter un cran par là. Voilà. De ce côté-là. 1, 2, 3, 4. Voilà. C'est pas mal du tout, en fait. Regarde. On aura même assez pour fabriquer ça comme ça. Ouais, c'est pas mal. Alors, il me faut une houe. La fameuse houe. On va fabriquer une houe. Hop là. Voilà. Et on va planter notre champ. Bon, on va explorer le reste des îles. T'inquiète pas. T'inquiète pas. C'est prévu. Pour l'instant, on s'installe. Le plus important, c'est d'avoir de quoi vivre. Je te rappelle dans Minecraft quand même. C'est marrant comme on n'a jamais faim. Je vais faire exprès. Attends, je vais faire une expérience scientifique. On va se blesser exprès pour voir si on régène, si ça dépend de la nourriture. Parce que franchement, des fois, j'ai du mal à croire qu'on est faim dans ce jeu. Où est-ce qu'on peut se faire mal? Il faudrait sauter de la mini falaise pour réussir à voir si on a faim. Parce que j'aimerais bien savoir quand même. Bon, attends, là, ça devrait déjà être pas mal. Si on saute d'ici, voyons voir. Un demi-cœur. Ah oui, c'est pas mal du tout en fait. Ah, j'ai un petit peu faim, regarde. T'as vu? Parce que ce qui consomme le plus de nourriture, c'est de manger. Ok. Donc là, tu vois, on a un petit peu faim. Ok, pas mal. Bon, au moins, on sait qu'on est en normal, donc il y aura des mobs. Je vérifiais juste aussi si on était en normal. Sans utiliser la commande, parce qu'évidemment, on peut taper la commande, hein, je sais. Mais c'est mieux des fois de pas forcément utiliser la commande et de voir par nous-mêmes. Alors, j'étais en train de récupérer des graines. On va replanter un petit peu des arbres aussi. Il y a énormément de graines aujourd'hui. Très bonne nouvelle. Enfin, en vrai, oh, ouais, c'est pas mal quand même, 17 graines. Bon, allez, on va planter notre champ. Comme ça, on aura du pain. On va aller explorer les autres îles. Pour l'instant, on a un peu de nourriture de base. On a des pommes, on a des secs. Où sont le reste de nos secs? Voilà. Et on aura même du charbon de bois. On met ça en haut et ça en bas. Voilà. Parfait. Bon, bah, explorons un petit peu. Explorons un petit peu. Il y a un slime qui a spawn. Je sais pas comment. Ah, parce que c'est plat, peut-être. Là-bas, il y a un marais. On va aller voir. Salut, le slime. Bon, les slimes attaquent par défaut. On attaque. C'est pas ce qui nous intéresse le plus, les slimes, en termes de ressources. Mais bon, ça sert toujours pour les pistons. Ça donne de l'XP. Voilà, c'est surtout ça. Ça donne beaucoup d'XP. Tu vois, les niveaux 2 direct. Alors, là, peut-être. Éventuellement, une petite exploration de l'île marais. L'île marécage, comme tu veux, c'est pareil. Alors, je sais, il y a du fer là-bas. Bon, on ira voir le fer juste après. Je sais qu'il y a du fer, t'inquiète pas, j'ai pas oublié. Là, j'en veux juste qu'il y a par ici, tu vois. Toujours avoir des blocs sur soi. Alors, ouais, bon, ça va être du bois, du coup. On a pas beaucoup de reste. Là, c'est tous les cobblestones. Ouais, quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Des fleurs bleues, ça c'est normal, ça sert de colorant. Il y a toujours des fleurs bleues comme ça dans les marais. Ça va un coffre avec de quoi faire spawn des axolotes. Ok, alors on peut tuer les mobs aujourd'hui, je t'explique, parce qu'aujourd'hui les mobs respawn, donc aujourd'hui ce n'est pas un problème. Dans Minecraft Bedrock, le jeu est plus facile que le jeu de base. Le jeu de base, quand tu tues les mobs, ils ne respawn pas. Tu tues tous les mobs de la map, t'en as plus. Bon, tuer tous les mobs de la map, faut le faire quand même. Mais globalement, si tu tues les mobs autour de chez toi, bah t'en auras plus. Donc fais gaffe à ça. Ici aujourd'hui, c'est pas un problème, les mobs respawn. Donc tu peux tuer les mobs à volonté, ce n'est pas un problème. Dans tous les cas, ils respawneront là où il y a de l'herbe. Là où il y a de l'herbe, je précise quand même. Hein. Bah écoute, c'est pas mal ici. Question, il y a pas plus de mines, on va quand même regarder. Je regarde toujours s'il n'y a pas des mines secrètes, des trucs qu'on n'avait pas vu. Donc ça tombe sur de la lave en dessous, ça veut dire que c'est exactement les mêmes styles de mines. Je regarde quand même, hein, sait-on jamais. Là, il y a moins de lave ici, par exemple, mais il y a toujours du vide. Ça fait flipper le vide comme ça, hein. Franchement, de pouvoir tomber comme ça, c'est flippant. Bon, il n'y a pas de mines aujourd'hui, c'est le challenge du jour. Bon, j'ai enlevé la pluie, parce que bon, faut pas rigoler quand même, hein, enlever la pluie. Alors, bon, j'imagine, on va chercher le fer, je pense, ça me paraît pas mal comme stratégie. De toute façon, la prochaine priorité, là, maintenant qu'on a le champ qui est en train de pousser, ça c'est excellent. Tiens, les axolotes, c'est quoi? Ça sort pas de l'eau, un axolote, on est d'accord. Hein. Bon, restez là. Je vais ranger les trucs. Hop, non, hop, oui, très bien. T'inquiète pas, faudra changer quand ce sera cuit pour pas gaspiller le charbon. Ça, ok, ça on garde, ça on range, ça on range. Ça, bon, ben on va garder sans jamais. Hop, on a beaucoup de trucs, la canne à pêche, je sais pas. Hop, on change avec ça. Bon, on a un petit peu de steak, tu vois, on a un bébé mouton qui a respawn ici, hein, tu vois, pratique, que je te disais justement. Si on récoltait un petit peu le champ, alors juste avant le champ, ici il faut changer, voilà, des combustibles. Tout ce qui est steak, là je t'avoue, j'hésite. On va plutôt manger du pain, hein, parce que le truc des steaks c'est que c'est pratique. Peut-être garder les poulets et le pain, voilà, ça me paraît pas mal. Et le pain on va en fabriquer grâce à notre superbe champ. Voilà, même au niveau des graines, c'est plus facile dans ce jeu, ça en donne plus que l'autre version.
Cette version est plus facile que l'autre. Après, c'est normal, c'est la version qui est sur téléphone. Donc forcément, pas pour tout. Vu que la caméra est un petit peu différente, le parcours c'est plus difficile dans cette version-là, je trouve. À part le parcours, le reste est relativement plus simple. Bon, un petit peu de pain. Si on a un élevage de vaches, on aura du blé. Bon, bah allons chercher notre fer à côté, hein. J'ai envie de te dire, allons-y. Faut que je fasse gaffe parce que mon nouveau clavier est très, très sensible. Donc ça peut être dangereux parce que des fois je cours et en fait des fois j'appuie là, tu vois, je cours sur le côté, je me rends pas compte parce qu'en fait la touche est tellement légère qu'en fait t'appuies un tout petit peu et ça envoie directement qu'il y a du fer ici. Mais alors du coup, s'il y a du fer ici, est-ce qu'il y a un endroit où il y a du diamant? Déjà, commençons par aller voir le haut de l'île. J'ai toujours pas de bloc et je parle pas de la ville MDR. Alors oui. Alors, j'ai enlevé les trucs de lave, enfin le feu. J'ai désactivé le feu parce que le feu c'est galère. Voilà. Bon, alors ici il y a du fer, excellent. Très bonne nouvelle, très très bonne nouvelle. Nous allons prendre le fer tranquillement qui est ici. Alors on fait gaffe s'il n'y a pas de la lave en dessous parce que voilà, encore une fois, on ne sait pas. Voilà, bah voilà. Tu vois, au moment où je l'ai dit. Voilà, tu peux mettre de l'eau comme ça. Voilà, comme ça, si tu mets de l'eau et que tu casses sans faire exprès, eh ben tu ne mourras pas. Voilà. Et ton fer ne finira pas dans la lave également. Donc pense-y, l'eau c'est trop cool. L'eau c'est cool. C'est pas ça la blague, c'est l'alcool, c'est pas cool. Voilà, c'est ça la ref. C'est quoi ça? D'accord, nous avons des pièges. Il y a carrément des pièges maintenant. Ah, il y a de la végétation en dessous. Alors j'ai pas mal de fer, j'ai 16 de fer, ça allait plutôt vite. En vrai, faudrait, par sécurité, si on voulait prendre zéro risque, il faudrait casser le fer qui est là. Parce que là, il y a aucune chance qu'il y ait de la lave. Quoi. Stratégiquement parlant, il serait plus intéressant de casser ce qu'il y a là. Bon, je fais mes courses au niveau du fer, je t'avoue, comme ça, voilà. Là, il y a de la lave, ça se voit parce qu'il est éclairé. Je regarde ce qu'il y a ici. Encore plus de fer. Bon, on aura du fer pour la maison, ça c'est cool. J'en prends une trentaine hein, pour l'équipement, plus les outils, tout ça. On va aller voir s'il n'y a pas un coffre là-haut. Après, faudrait-il le bloc infini? Bon, le bloc infini, j'en vois pas beaucoup l'intérêt parce qu'au final, tu vas pas rester là-haut, casser du bloc, c'est récent quoi. Pour ça, je me dis, cette map, t'as aucune raison de rester là-haut très longtemps. Il y a un mouton là? Attendez, c'est en mode camouflage ou non? Non, il n'y a pas de mouton, ok. Ça aurait été stylé de voir un mouton là parce que là, avec la neige et tout là, pourrait jouer à cache-cache avec le mouton, ce serait stylé. Bon, alors j'ai mis des blocs. Pas vraiment là où je voulais en mettre. Voilà. Il y a un fantôme. Ah bah oui, parce qu'on n'a pas dodo. Bah oui, c'est pour ça. C'est vrai qu'on a eu dodo un jour, mais j'ai pas assez de moutons en fait. Il y a pas de coffre ici, les potes. Il n'y a pas de coffre sur cette île. C'est une très jolie île, hein, je dis pas. Avec des squelettes de glace, d'accord. Très jolie l'île là-bas, hein. Faut qu'on aille voir aussi. Hein. Bon, nous attendons pas forcément trop ici. Peut-être sécuriser ça, ça peut être dangereux. Bon, on a du fer, on va mettre le fer au four. On va aller explorer d'autres îles en attendant que ça cuise. Ah, parfait. Ah, il y a un mouton. Ah, bah tu sais quoi? Ah, mais les axolotes se baladent en fait. Ok. Je pensais que ça restait dans l'eau un axolote, mais en fait non. Salut, waouh. Bah les potes, y a pas de soirée, hein. J'ai pas fait de soirée, hein. Faut pas s'incruster comme ça dans les îles des gens, hein. Bon, il va falloir mettre le fer au four. Et il va falloir faire des fous. Voilà, on a de la cobblestone bug, on l'a ramassé en cassant du fer. Voilà, ça c'est ce que j'appelle une belle opération, tu vois. Allez. Non, c'est pas comme ça. Pourquoi est-ce que chaque fois, hop, ça ne se place pas. Ça c'est mon nouveau clavier aussi, je pense, parce que je dois pas. Ouais, peut-être. Hop, alors. C'est toujours le nouveau clavier qui est responsable de tout. Il y a peut-être là, non? Quelque chose à tirer là. What? Ah non, c'est le fantôme. Bon, fantôme, tu payes rien pour attends que j'aille dodo. Bah oui, évidemment. Bon, où est passé tout mon fer? Là, ok. Bon, le mouton, j'espère qu'il est pas parti en vacances. T'es où le mouton là? Mais il y avait un mouton il y a 5 secondes, mes potes. Je sais qu'il peut y avoir. Alors attendez, là c'est dangereux. Surtout avec les fantômes qui attaquent en fait. Où est passé notre mouton? Oh, il est tombé dans la lave, il est mort. Hein. C'est possible. Toi, t'échanges quoi? T'échanges pas de la laine par hasard. Je sais que ce villageois sert à rien de base, mais vraiment sert à rien. Mais là, j'avoue, j'aurais bien aimé qu'il apporte un item sympathique. Il y avait un mouton, c'était parfait. Alors je sais, il y en aura d'autres, mais là, je voulais de la laine en fait. Attendez, j'explore un petit peu mon île. Non, il n'y a pas de mouton en vue, les potes. Je sais pas ce qui s'est passé. C'est pas possible qu'ils soient partis là-bas, ou alors il est parti là-bas, je sais pas. Bon, bah, j'ai fait respawn un mouton, hein. Écoute, c'est plus simple, hein. Je t'avoue, flemme, quoi. Il y avait bien et bien un mouton, quoi. Bon, aujourd'hui, on va fabriquer une cisaille en premier. C'est pas forcément le truc le plus classique du monde, je te l'accorde. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas dans une aventure classique. Bon, les outils en fer. Pioche, hache. Je crois que c'est à ce moment-là que les fantômes attaquent. Voilà. C'est bon, tu craftes ou quand t'es pas occupé. Enfin, quand t'es occupé, justement. Ton malin. Non, pas de où en faire. Quand même, tu vois. Voilà. Bon, plaçon. Mouton. Attendez, il vient de spawn. On doit encore en faire spawn un autre, c'est ça l'idée? Ou tous les moutons de la planète qu'on fait spawn, ils disparaissent au bout d'un moment. Est-ce que c'est ça? Parce que là, c'est pas possible. Ah, c'est bon, ça va. Un de laine, c'est dommage, ça, mouton. Il en faut deux. Bon, au moins, les fantômes disparaîtront quand on aura dormi. Faut juste attendre que le mouton refasse sa laine. Bon, en attendant, on s'équipe full fer. En vrai, c'est un bon début d'aventure. Je suis assez content.
On va juste fabriquer ça. Au moins dans Minecraft, maintenant, ce qui est bien, c'est que t'es obligé de dormir, tu vois. Alors, avant, c'était possible que tu ne dormes pas. Maintenant, t'es obligé de dormir. Donc, c'est une nouvelle mécanique de jeu qui est sympathique. J'ai pas pensé à un truc vite fait, mais je pense que j'aurais pas assez de d'items pour ça. C'est de mettre ça comme ça, voilà, et d'éclairer un petit peu vite fait. Ouais, mais ça sert à rien, parce que t'en as pas éclairé le reste de l'île, mais bon. Ah, salut araignée. Dommage que tu n'aimes pas assez de fil, parce qu'on peut fabriquer de la laine avec du fil. Et salut zombie. Je sais pas si le reste de l'île est éclairé. L'île a l'air bien éclairée quand même. Il y a des piliers et tout, etc. Il y a des trucs qui éclairent. En fait, faut rester dans les cavernes quand tu veux être tranquille, que tu n'as pas dormi dans Minecraft. C'est vraiment ça la stratégie. Bon, les potes, j'ai retrouvé le mouton, le deuxième mouton. Je sais pas. Il est là. Ça, c'est cool. Bon, bah, comme ça, au moins, on va régler notre problème de lit. Bonne fois. Bon, allez. Voilà. Allez, go dormir. Voilà. Comme ça, les fantômes meurent. Et comme ça, ils ne spawneront plus surtout. On va laisser le lit. Bon, c'est pas mal. Et au niveau du fer, on a quand même plutôt géré, je trouve. On est presque full fer. Ça fait plaisir. Bon, bah, c'était tout simplement survivre entouré de lave. J'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, je t'invite à t'abonner et activer la cloche. Comme ça, tu manqueras plus jamais une vidéo à venir. Abonne-toi et active la cloche. C'est très important. Très, très important. Je tiens à te remercier si t'es vraiment arrivé jusqu'à la fin de la vidéo et que tu n'as pas manqué une seule seconde de cette vidéo incroyable. N'hésite pas à me laisser un commentaire pour me dire que t'es bien arrivé jusqu'à la fin. Ça me fait très plaisir et ça montre que t'es un vrai. Très, très important. Je t'invite à regarder une autre de mes vidéos qui s'affiche là maintenant à l'écran. Tu as deux de mes vidéos à l'écran. Clique sur une d'entre elles. Comme ça, on reste ensemble. On se retrouve directement dans une autre de mes vidéos. À toutes!